Ensemble, soyons du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi. Sont-ils réellement du bon côté de l'histoire? Est-ce que Union Sacrée est commis du Solo à Malamu 4 ans après que Kotanango n'a pouvoir bientôt là, d'ici le 29 avril de cette année, la semaine prochaine déjà, sortie officielle, il y a famille politique, il y a chef de l'État, Union Sacrée pour la nation. Bango ba ibisi biso que sa deuxième mandat na président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est possible na mandat ni au basali déjà pendant 4 ans trop mais qu'à réfléchir sur yango et de l'autre côté bande qu'on a bu sur opposition bazo sangana déjà qu'on annonçait biso marche monko kosalema le 13 mai prochain juste 2 semaines après sortie officielle il y a Union Sacrée pour la nation. Est-ce que c'est pour les élections? Est-ce que ça démontre à suffisance que classe politique Nabuso et ça s'est préparé pour la élection. Est-ce que ma question yon soana bopoza qui toko zongela yango na mozindo mingi mokona lelo. Bonjour et bon début de semaine na mabota na bino bakongoma nyon sobozi li bako kona Nabuso de partout dans le monde tolingi bino mingi ebo ebola na manaka na bino ya pona Congo 1h15 de patriote 1h15 pona Congo 1h15 pona bayi o balinga okende liboso. Il y a Mboka Congo, il y a deux questions. Quelle différence y a-t-il entre FCC et Union Sacrée pour la Nation du côté gérance de la chose publique? Y a-t-il changement ou pas? Sur quel point, sur quel secteur tu remets Kaokéna au Bongo? Parce que, et si Kalibiso aura 6 mois, tout qu'il y a une élection dans ma pronom. Ceux qui ont même mis homme politique, dans le discours, et en surtout les Français, à ça, combien on quitte, quoi, bandit au Tangelo, Bablo, Romo, et à mon population, ils ont comprendre. Tout qu'il y a un homme dans la lingala, bah expliquer Bissoni, ni Salemi, et ça limité. De l'autre côté, il y a opposition, bah, sangani pour na koloba non, na. Na o etali bongo bopo makonomi o ezali selon bango tricherie bazali ko se préparer. Est-ce que baye opposition est-ce que baza prête plutôt à rokende na makonomi tokenango ba programme na bango ezani offre na bango ezani parce que on a comme l'impression que ndeko so azan opposition critique ezala moi mingi même abemara ba solution t avant tout tous wa quelques sujets d'actualité. Le rebelle du M23 RDF sont de retour à Rutshuru Niragongo, de zones qu'ils avaient abandonnées au profit des troupes de l'EAC. Information confirmée par le gouverneur militaire Constant Dima qui parle d'un semblant de retrait côté EAC. On parle plutôt d'un retrait partiel. Et le présidium de l'Union Sacrée a visité le stade de Martyr hier pour s'assurer de la bonne tenue du méga événement qui n'est rien d'autre que la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée pour la Nation, famille politique du chef de l'État. Nous l'avons dit au début de cette mission. Tokobe Talisolo, Union Sacrée, sortie officielle, peut-être que Zongela marche, il y a le 13 mai, mais la soukananion, Sotoko Zongela, les Kambo Talibongo, retrait, au Ezosa, l'assembla, topé partiel, il y a Bahi Amv. 23 terroristes au Bango Bazo tenir qu'on négocie alors que le gouvernement n'obtient pas de négociations avec le terroriste du 1-23. Qu'est-ce qui va se passer? Quid sur la pacification de l'Est de la démocratique du Congo? Tolobela Congo, Mokonarelo, Toza Bongo, Nandeko, Faustin Simanga, Oazali, Ndeko, communiquant P au cadre ya LGD, Mwanambo Kahokuku déjà. Ko rejoindre Abisso sur ces plateaux pour Nakobeta Maema Talibongo, République démocratique du Congo, Mwanamboka Ndeko, il y a opposition, Mbote Pebwe Bola. Mbote, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour la présentation. Nanina a précisé que Nazaka ka cadre. Ok. Bisso et pas Bisso, bah, au cadre, tout l'inga mingi mingi pour le bate, pour Bisso nous sommes tous à Baimboka, tous à engagés dans LGD, tous à bah, cadre et Nazaka communicant. Principal dans Katia LGD, okay. Parmi tant d'autres communicants, donc il n'y a pas besoin de tout ça, cadre
au cadre tout ce qui est le bâtiment. Ah, d'accord. Ndeko, tozali bongo na mwana mboka Michel Sengle, wazali bongo président national ya lingomba politique ezo sangana mbote déjà na maman Fifi Masuka mwana mboka mbote pe boye bola. Mbote, merci pe Ndeko Naomi. Merci pe merci. Tandis qu'on a pour la première fois tout le plateau Oyo, qui est au Congo Belge. Donc, tous les ailleurs, puis la réponse est un. Très bien. Bandeko Mibale, Bazo, qu'on rejoindra Bissou sur ce plateau. Tout en direct, Montagne à Congo Belge Télévision, sur notre chaîne TNT et sur notre page Facebook. Donc, qui déjà qu'on rejoindra Bissou, ceux qui ont rejoint Bissou, si qu'on a commenté, qu'on réagir directement, on a mis tout na, ou qu'on tout na ma, à propos de ça, la rémission, Bino na Bissou, qu'on peut qu'on pose en direct, bah, question na Bino, Nanzela, y'a bah, commentaire, ou boti kaka, bah, message na Bino, pour na koye, bandenge ni makambe. Je tambola bongo na mboka na biso sorti officiel de l'Union sacrée famille politique du chef de l'État. Est-ce que baza en ordre de bataille pour les élections de Kofosta Simanga? Est-ce que nanga monabino ya opposition eza quand même ko ningisa bino comme on a plus de 500 partis politiques autour du chef de l'État? Mais vous voyez que kuna iloko zate pour tout le babo solo na koloba en toute clarté ndenge to misana koloba ba congolais basi pas comprendre que bah, pays ça qui chance na Ndeko Félix Tshisekedi a échoué. Tozo le bango très simplement a échoué parce que congolais nyonso il faut pas aux ala na parti au ezo se positionner dans l'opposition tout comme la majorité pour vivre situation difficile ou tousa nango lelo ba opposant bazo vivre situation difficile. Bato bazan na pouvoir bazo sala semblant mais ba ibike ba ko quitter ko maîtriser cadre macroéconomique ba ko quitter ko maîtriser taux à dollars, donc, bah échoué. Pour la nini, tozo linga kota la bango lisu ming ming te. Parce que biso, il faut total alternative. Alternative, vo eza, na échec au basali, na échec au bazo, bazo mené ti na souka. Bazo s'obstiner, na koulouka, plus de 300 partis politiques, bata la remplissage autour de la jouissance au bazo, bazo prôné na, na union sacrée. Les lo soto mitouni, union sacrée, eza basé na nini. Ils ont soutenu Nanini. Et pourtant, alternative. Pour il ne faut pas que l'opposition opposition. Pour l'opposition, ils ont une connotation négative depuis qu'ils ont le pouvoir. Ils ont l'opposition. Ils ont une alternative. Il faut que l'on ait mis ça déjà. Vous voyez que pas parti à l'opposition, Neti, LGD, SID, Ensemble pour la République, n'a un vol, une alternative ou une crédible pour na développement yamboka. Donc na bazi tout au long de l'émission toko détailler ba idée pour awa toujours ya kosole la ba idée eza ba combat boxe te. Donc il faut toper ça et pas ba congolais alternative et aujourd'hui alternative eza leadership na gouvernance ya qualité. Mais est-ce que l'opposition se prépare pour la élection parce que bande bassanga n'est plus de 500 partis politiques et ba couleur nyonso n'a pas poids politique nyonso ya bisika nyonso bango ba bibo pesa chef de l'État deuxième mandat bino zo kanisa que en ordre dispersé pour bo sali marche et puis bo pesi makantina bino puis bo gagner ba élection. Ba oyebi que congolais a ebi déjà que ba o basangani wana ba signé charte na bango wana eza likambuté que baza na ba idée eza makambo jouissance eza ba kabula gato nde ba misana mais bo oyebi que biso toza alternative pour nanini tozo yana ba idée. Opposition ou ya kala ou yo, ba tout sou, ba sala tout autant raté, et c'est sili. C'est-à-dire que dynamique moussou souye, dynamique ya intelligence, dynamique ya qualité, dynamique ya bonne gouvernance, ya ngonde eye, pour na kozala alternative crédible pour na développement. On va pas en dire assez, il faut comprendre que biso tozo s'est préparé pour na élection, toza prêt pour na élection. Quoique, union sacrée, na stratégie nae bazou lo ba organiser élection moko chaotique élection moko bâclée biso to s'enrôler LGD to s'enrôler et la plupart de partis politiques o basali o baza ba partenaire à LGD na tangi bongo ensemble pour la République SID na en vol ba s'enrôler bango ba s'enrôler ouvertement camarade président national Augustin Matata Ponyo Mapon a s'enrôler ngape lokola na s'enrôler ça veut dire que toza
déjà bah électeur et ce toza bah électeur ça veut dire toza prêt pour une élection mais biso tozo linga élection ezala élection oyo et ça organisé na condition bien élection ezala te boutiqué bache ba membre ya UDPS na mutu ya nini ya seni condition na ndé to boy opposition peza na carte ya bureau seni to rejoindre mon amboka mais ndeko Mardoché c'est le président national ya FIDEC membre ya union sacrée to moni ba union sacrée osangana ba Sibiso, hier d'ailleurs, bah voiture, ils ont tambola, Kinshasa a vibré na rythme ya union sacré. Banambuka ba mituni, ngeni ni organisation ezo salema. Est-ce que na kati ba parti politique na bino na ba état major, bosa ki cotisation topé mosolango ou tuwa po bino no so bosanga ni pour que ndeko lo baketo. Ça là, il y a biso manifestation na stade de martyr. Merci beaucoup madame Naomi. Merci Mingi pour nous. Nous avons appelé ça va continuer à partir de la place Bazali. La place Mbote, nous avons appelé ça Félix Anton Tshisekedi de Chulombo. La place Mbote, nous avons appelé ça Moral Nabusso. Excellence Fifi Masuka Seyini, gouverneur à Lualaba. D'abord aujourd'hui, plébiscité meilleur gouverneur. Pour nous, nous avons appelé ça Moral Nabusso. Nous avons dit que l'Union Sacrée est une organisation différente de l'organisation de Kala. Oui, ça y est, la politique, il y a ressemble à mitema yabatu nambongo. C'est difficile. Tant au moni, l'Union Sacrée a sali annonce, il y a sorti officiel la plateforme accueilli consomme mitema batuté pour baya ou soit consomme batu baya na stade martyr. Non, je donne un exemple. Je suis un cadre. Quand j'ai appartenu à Bisho Fidec, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, c'est avec mes moyens que je réalisais le spot pour mobiliser jeune qui est parti Nangaï. De partout, pour participer à la manifestation, surtout sur la plateforme. Alors, avant que l'Union Sacrée ait la structure et la charte, c'était un appel patriotique. Je pense que beaucoup de gens confondent l'Union Sacrée avant l'Union Sacrée sur Koyo. À l'époque, c'était un appel patriotique où il y a des caractéristiques. Il y a qui plus, et cible qui plus, les dirigeants, je vais dire les gouvernants. Pour l'intérêt du peuple. Par opposition, il y a caporalisme à l'époque, allégeance plus à l'autorité morale. Vous voyez, il y a salamara entre cas chef CC, donc c'était cohabitation, et il y a une coalition à l'époque où il y a profité d'un peuple congolais. Mais aujourd'hui, l'Union Sacrée a fait une porte dans notre union. Aïa a participé activement, n'est-ce pas, dans la gestion, il y a Félix Tshisekedi, à Salisamboranaï. Peu importe, vous voyez que les gens qui ont trahi ce peuple dans le passé. Donc, on a un peu ça, moi, exemple. Tu vois, l'eau sale peut servir même à éteindre le feu. Politique, il y a Félix Tshisekedi, n'est pas une politique de division. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens qui ont été utilisés mal dans le passé peuvent être utilisés bien. Et puisqu'ils sont avec Félix Tshisekedi, ils sont du bon côté de l'histoire. Bon, et ça peut nous coûter. On doit comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais parler d'abord de leur fameuse opposition, parce qu'il y a des Walobia ou alternative. Baza alternative. Moi, je veux dire, c'est de l'opposition. C'est ça même le concept qui est reconnu dans la loi. L'État est réglementé. Vous comprenez? Alors, opposition, fameuse opposition à Bangouana, la majorité, ce ne sont pas. Bazo, ça, l'opposition, Bazo manifeste mécontentement à Bangou. Ce sont des mécontents politiques. Il y a la gouvernance de qualité. C'est pas, il fait allusion à Moïse Katumbi ou à son autorité morale qui est Matata Ponyo, ainsi de suite. Mais Batona, ils étaient aux affaires. Moïse Katumbi était aux affaires. Matata Ponyo était aux affaires. Ndoko Fayoulou était avec Kabila. Ça, on dit que Batoua, comme on a été abîmé, il y a des personnes pour légitimer la présence de l'opposition. Bon, je veux dire qu'il n'y a rien de neuf. Au contraire, le tshisekedisme s'imprime, n'est-ce pas, sous les insuffisances de kabilisme. Au baron, on ne participe pas. Besoin d'être battu en moto, ma pelisse en moto et mes gestions, faisant une moto à détournement. Il y a insécurité. C'est sous Matata Ponyo, Joseph Kabila, Moïse Katumbi qui a eu polyfloration et groupe rebelle. Ma contrat diabolique, oh, ma fond là, M23, ma porte, ma côte en bogoy. Tshisekedi a hérité la situation. Et on ne peut pas combattre un système avec des petites actions. C'est pas la bonne politique. On établit un état de lieu pour comprendre. L'État a été géré comment? Et ça a nini. Tozan est un nini, tozan la peine. Il y a un projet wana. Quelle que soit la tractation, on a toujours qui. Oui, Maramotozuya, on a toujours FCC. Oui, Maramotozuya, la perturbation, il y a tout ce économique. Ce n'est pas seulement dans le monde, mais dans le monde, avec l'avènement du Covid-19. Tu sais qu'il y a tenu.
Au moment où il y a un renversement, il y a un mode de gestion. Entre mode de gestion à Kalana et Yesika. La population subit d'abord, bah, retomber, il y a un changement de mode de gestion. Bon, il y a un contribuable, côté n'a pas un individu. Et comment il y a un Kati, il y a un trésor public directement. Il y a un moment où il va retomber, il y a une maximisation des recettes. Et ça, il y a un point d'abisson. Avancée significative, là où il y a un magambo est. Insécurité, wana. Tout ça, il y a mis au Kangaboui. 18 ans, qui nous a agressé? Et il y a un premier ministre, il y a Kala. Matata Pony, au docteur Moral Naye. Et il y a Moïse Katumbi. Et il y a un Kabila à l'époque. Nani achaka Rwanda musabipona wewe sababu ngi c'est vous qui êtes derrière la sécurité. Vous minutes me répondre à question la rate question la ngeza qui sur mon solo mode de financement comment est-ce que ça bon sali cotisation bon wote wapi parce que opposition zo accusé bino ko tia bon ko na libéra l'état bon ba union so lobby d'ailleurs premier ministre ba ministre union so président assemblée nationale ba bazo accusé bino même ko ça la impère mususu madame Naomi est la spéculation inutile. Les autres spéculations inutiles, je ne peux même pas discuter là-dessus. Mais il y a 4. Il y a 4 partis, mon aîné. Au sein de l'Union sacrée de la nation, tous une bonne côté. Nous ne sommes pas sous Kabila. Où on pouvait jouer avec l'argent de l'État comme Soguinéenini. Nous nous suffisons. Bah, nous suffisons, nous avons utilisé nos moyens. Bisho, tous ont mobilisé Batouna Bisho, un bon Abisho. Tous les gars là-bas, Média, un monsieur Abisho. Tous ces gens qui quittent l'intérieur de la province pour venir à Kinshasa avec leur argent. L'Union sacrée ne se comporte pas comme l'ex-majorité présidentielle. Très bien. Merci beaucoup, Omar Mboka. Tous les gens qui ont sonné Fouamba, qui ont une nouvelle Union, qui ont poussé déjà, qui ont Bazali pour te. De l'autre côté, Omar Mboka, Bazali, ni du côté de l'Union sacrée, ni de l'autre côté de l'opposition avec Bandekwa Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame, je m'excuse. Indépendamment de ma bonne volonté, j'ai couru. Mais bon, les routes sont là, très bien bouchées, déjà ce matin, donc sur la route, on ne sait pas bien naviguer. Je salue en passant votre mission, Hélico de Water, que je vois. Napesi Mbote, Nyonso ya Congo, Mbote Nabino, Isika Nyonso Bokolanda Biso, et Nouvel Elan, parti cher ya Mwana Mboka Adolphe Mouzito, et Pesi Bino Mbote. Merci beaucoup. Bino Rosani na Union Sacrée ni na opposition na bandeau koloba ngo bozali ni na bandeau ko ya Lubumbashi bozana ngamu na bino moko bozana projet na bino mais le lingi bandeau ko bazo sangala bozo mona te keza perte de vitesse pour na bino bandeau ko Union ya nouvelle élan. Mandenge ni tozela en perte de vitesse. Nous comptons sur le peuple. Le pouvoir revient au peuple et non aux individus. Puisque tout ça na peuple. Puisque tout ça na peuple, tout ça JTT. Yo mon Kolobi, on n'est pas pressé. Alternative, Oyo Ezali, Ko Otozo Luka, Mikolo, Oyo na Mboka na Biso, Ezali, Ko changer, Ba oligarque, Ba Oyo Ba Zui, pouvoir et la population, Ba s'accaparer na Bango, Ba caporaliser Ba institution, Ba zo traîner, population à gauche, à droite, sans un projet. Ils allaient net avion, ils allaient et décollaki. Mais maintenant, pilote à perdre contrôle. A yébité à Zokendewapi. On a Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée est décollée. Alternative veillée. Passation de pouvoir de money. Mais maintenant, chaque jour, moi, quand je m'élève au niveau, il y a un nouvel élan. Tout ça, on se demande, on est où? Parce que nous sommes dans l'avion. On est descendu plus bas, on va. Percuté, on va tomber en catastrophe ou qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes là. Motem, ils aussi, mais ils obéissent tout le temps. D'ailleurs, dans la salle ici, j'ai déjà suivi quelques éléments. J'ai dit, bah, ce n'est pas possible. Je pense que Union Sacrée, plutôt que il y a Kotali sa bilan, oh, il y a sali, parce que Moutouatali sa bilan, ils allaient Moutou, oh, il y a sali. Kotsa la tes déclarations. Quand il s'est bilan oyosalité, non. Avant de faire quelque chose, avant de faire une évaluation, il faut présenter bilan. Bilan est alinini, est alin miroir, visage. Oyo yamakamo osara kilobi. Et bien maintenant, à un temps, tu t'arrêtes,
au comi kotali sayango et comi siko miroir maintenant union sacrée lelo et koki kote le ma d'abord pap telemi voilà et présenter tableau biso voilà où nous sommes. C'est là que je dis nous sommes dans l'avion mais on ne connaît pas. Est-ce que aluro to kenenango et koko misabiso en sécurité ou bien tokoko mana katastrophe. Mais est-ce que vous voyez que la population peut aller mbi ba programme ya monoko ba discours pour to moni ya d'autres nous citoyens na papier moulaï programme mais zara maloba qu'est-ce qui nous dit que yeso akotina pouvoir changer ma Yango to lobby, moi na mboka azana opposition te, moi na mboka Adolphe Muzito azana résistance. Parce que l'opposition est ibaniki, faut tozala, na kati ya lisanga tozala au niveau ya Assemblée nationale. Biso tozana ba député te, biso tozali na population. Oyo tozo kotalisa, ezali makambo oyo ya kala. Oyo biso pe na kati tozalaki. Mais dans ce cas, on peut partager des responsabilités. Responsabilité, on a tout à l'issa. Ils ont dit, ben animateur, on a tout à l'issa qui n'a pas encore calé. Les loyaux, ben kotaki, n'a pas encore oyo, et créaki, au balobi, chaos électoral, il y a 2018. Et union sacrée, il y a biango, à l'uso lobele ango, que en 2018, il y avait chaos et il y a élection. Maintenant, les loyaux, tout au kendewa, puis tout au salanine, est-ce qu'il faut tout y kamboka, et quoi, il y a ekoufa? Parce que la population est active. La population est lingi ko s'approprier. Maintenant, ce qui est population et ko s'approprier gestion ya pays na yango. Et ko kendi yango mon côté. Il faut ezalana leader. Très bien. Merci beaucoup, mon Mboka. Ndeko Faustin, Simanga Tozongela, y a-t-il une différence entre gérance et Union Sacrée Lelo, famille politique à chef de l'État, gouvernement Sama 1, Sama 2, na FCC, Nathan ou Joseph Kabila, sur le plan gérance topé politique, gérance à la chose publique. Mais en fait, c'est blanc, monnaie, blanc, monnaie, Bogota, l'amour, mon appui, le coup là. Et en même temps, on ne peut pas tout de suite comparer, hein, comparer gestion à Bangoumi Balé, parce que Bangouna nous donne résultat à gestion T. Il faut gestion à travers bah, résultat. Résultat, il y a union sacrée le lot, au Tokomona, sur base de quel, Tokoki Kosala, comparaison. Ozomona. Ce qui, bande qu'on a vu sur union sacrée, bah, ça a bonne foi, certes, mais il ne faut pas bah, hypnotiser bah, Imboka, il ne faut pas bah, hypnotiser le peuple. Il faut le peuple là comprendre que. Bah discours il y a quoi ça quoi là oh non biso awa tozaboye tozana mbongo mboka te tozo dépenser mbongo mboka te c'est tout à fait faux n'a pas sabino exemple total là bato nyoso bakinda ki ko visiter présidium il y a union sacrée bah nyoso baza aux affaires mais pour na komona ko la kisayo peut-être oboyi kota là ou bien au moins oboyi komona mbongo mboka pour dépenser bah mituka officiel il y a premier ministre mituka officiel. Il y a président de l'Assemblée nationale, il y a président du Sénat. Et s'est déplacé dans Bango, si stade de martyr. Et pourtant, il y a une activité, il y a parti politique dans Bango. C'est-à-dire que carburant en Boka, mituka en Boka, va utiliser Yango pour nous mettre en place. Faire bâtir en Boka. Voilà, et ça, c'est Bango. Ceux qui n'ont pas payé, nous avons repris ce exemple au Tala. Ça veut dire que ceux qui sont en Boka, ils se déplacent en Dengue, ils se déplacent en boulevard, tout le monde. Mituka nyoso tuwana biso peuple ndeto chila kaye carburant biso peuple ndeto sombilie yango ça veut dire soit que na makamuna ye privé il faut avoir mutuka na ye privé atambola nango c'est le plus simple principe ndi za la bongo zoba nga batangisa nga na professeur moko na kotanga komboté ayebani azalaki au pouvoir à l'époque ye azalaki soki de lundi à vendredi azoya université akoya na mutuka na ye officiel pour auti musala aye mais soki za weekend et qu'il y a des gens qui ont manifesté, ils ont dit qu'ils 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 comprendre dit qu'ils ont dit comprendre ont très simple pour ont dit qu'ils 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 ont président de l'Assemblée nationale carburant, bah congolais binonde boche la raye carburant pour atambola. Ce qui a même eu tout cas, qui a une manifestation privée, ça veut dire que allez mbongo mboka. Il ne faut pas mbongo mboka, pas PCK na maboko.
Ça veut dire que mutuka na biso auto sommelier, il faut qu'il n'ait nango parlement, il faut qu'il n'ait ba mission officielle. Soit ba nous mais na stade de Marti pour nous visiter, pour ça le tourisme des bazo salana pour ba tonise stade. Bino bokansi ki toyebi condition ba tonise à stade té. Ba partir au Union Sacrée toyebi ango. Toyebi ba méthode na bango. Les lois azolinga bazo linga ba bako sa population que biso to simi mbongo mboka té mais disons ba congolais baza bana mikité. Bayebi ndini makambo tambolaka to zela to romona ke na suka manifestation na mbongo ko kaboma mbongo na ekoutapi to yebi ke parti moko et organisa ki récemment manifestation stade des martyrs mais quelques mois après ba mbongo li moki na ba bureau ya ville ozomona ça veut dire que to yebi ba méthode na bango bako sa ba congolais te to yebi bien que sa Congo que sa l'état eko saigner na niveau moko terrible to komona ngo tout le monde a demandé nini inflation et vous allez maîtriser tout le monde a demandé nini bah tout va continuer pour revendiquer les lots nyongo ya mboka et ça galopant à niveau moko de biso tout ça là bas on a des plateaux bako prouvé nazo ibisa yo que na kala période yo bazolo bao matata boye boye nyongo ezalaki ya ba 4 milliards 5 milliards les lots dette publique ezo environné 11 milliards ba ibisa biso pour juger gestion à bango ndenge nini lelo pour ministère ya finance et fouta ba fonctionnaire il faut bader fa 70 millions de dollars pour ba fouta mais bazo yebisa biso que budget na bango eza à 16 milliards lelo tozomona ba congolais ba yebi que lelo budget na bango à 16 milliards eza ki ba maquillage ba maquiller ba chiffre pour que eza la porteur prévision tozaka na mois d'avril comment pouvez dire que non prévision na to banda ki budget à 16 milliards lelo te Tobanda qui a moi depuis 2022, les tous en 2023. Vous bien que budget na ezala ki maquillage va sali tant ba sali maquillage. Sugo réalité est faire couler maquillage. Ba mama ou bazana ndako ba yebi. Ce que mariage est couler, to ko mona vérité sugo. To ko mona vérité, eza ba vérité à budget à 3 milliards bazo ko sa population. Totika batika ko gérer mboka, batika l'alternative au ezaya LGD SID ensemble pour la République. Mais bien après LGD, Bozala qui déjà aux affaires, est-ce que vous étiez différent? Il y a pas LGD dans le gouvernateur, LGD parti politique dans le gouvernateur. Sénateur Matata Ponyo, voilà. Tout le bela quand même ba réalisation. Est-ce que ceux qui m'attaquent en opposition, ils ont blanchisseri, ils ont commis bien, commis mensonge. Avec comment discours yo, il faut télévision et débisso. Il ne faut pas qu'on rabourtir ba congolais baza mayele. Ba congolais baza mayele. Fort baebi que mboka oyo bato bana kota désordre nanine les autres ba ko débatteur bazo ko maritar pour nanine embouteillage des anzela nous sona eza mauvaise gouvernance nazongila bato batakara mingi matata punyo baeba que soki lelo atabola mo muke oyo bato akota la que non to za ina kabila muto asala ka mabete mais so tali mbola mo ya muke oyo bato bako reconnaître na kabila et sale makaka sous matata ponyo lelo tolo ba makambo ya bancarisation tolo ba makambo ya TVA oyo balongoli sikoyo na union sacrée muto akoti sango eza matata bancarisation eza matata otuna kingai na ebiso makambo matata sali na moni tant na komolo ba eke zo coincer bato pouvoir olingo katanga malu na ina ka malu bato silisi ta donc nazo silisa ba kongole fo baye bake transco ezalaka eye na esprit ya discipline matata ponya koti sa discipline na mboka oyo po nini bato zo kota na mulongo na transco lelo e komi desordre esprit de vie ezaka ka sou matata ponyo to rolo makambo ebele Tozalaki point d'achèvement matata ponyo mille écoles donc matata ponyo oyebi ba union sacrée na laboratoire noir na bango ba sali ba makambo ebele ba banda au conseil matata ponyo na ba procès ya lukuta point nini pour baebi ke ba réalisation kanga na mutu solution ngana na tete voilà so ko poser so ko zo lwa bongo tikanga pe na répondre pour so notamment voilà ko bosa na te tobe ta makambo ba kanga lonzo ko ba tusu ba lobaran ba ye ba rata place merci beaucoup mwana mboka to zali na maître Richard Pinda comedy biso ndeko ya de pes mwana mboka pouvait déjà avancer. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Je voudrais en passant faire une insiste. Si je suis arrivé en retard, au Bibako débatteur, comment il y en a retard? Je ne suis pas arrivé en retard pour un embouteillage, non. La Lamouki, retard.
C'est parce que j'étais fatigué hier avec les responsabilités que j'avais au niveau de l'église, avec tout ce que je pouvais avoir comme engagement. Et ça, l'ingona. Et là, on me souvient, monsieur Zali, budget aux autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous ai suivi. S'il vous plaît, mon amour. Je vous ai suivi très religieusement. Au lobby, moi, budget. Il y a un budget, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est réservée pour un crédit. Au Bokozo na Libanda, ils ont la partie où mobiliser binomo mobiliser recettes en fonction de la production na binomo. Matata n'a laissé aucune unité de production, ok? Vous êtes de chez Matata, oui. Matata n'a laissé aucune unité de production. Les lobbies doivent continuer. Lorsque vous dites que Matata a fait rigueur ceci, Matata a fait cela, Matata n'a pas fait. Nambongo na yemoko apocha bimisi pour la Congolais, non, pas du tout. De la même manière que le président Tshisekedi le fait au nom du contribuable. Matata Podio, dans tout ce qu'il a dû au Yatali, à sa bancarisation. Ça, vous ne le dites pas. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication? Ça, vous ne le dites pas non plus. Et lorsque vous parlez de la République, il ne faut pas penser que lorsque vous venez avec tel discours aux autres dans la population, c'est comme si la population si bête n'est pas comprendre les choses comme il se passe. Le procès, vous voulez qu'on vous dise comment est-ce que l'argent est passé par la Cour constitutionnelle? Vous voulez qu'on vous dise combien de juges ont été approchés dans cette affaire-là? Ok? Ne venez pas prendre la population pour des cons des gens. Maître Richard Pinda, Maître Richard Pinda, vous êtes du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi. De quelle histoire vous parlez? 4 ans après, ni l'obligé de salir pour Ebisabiso que vous avez du bon côté de l'histoire. Je vais aussi réagir parce que vous avez dit ça. L'obligé de salir pour Ebisabiso, vous savez comment l'UDPS fonctionne. L'UDPS a toujours fonctionné sous fond de cotisation. Récemment, ici, vous avez vu le secrétaire général Augustin Kabuya, ok, à réunir 3000 bateaux basés dans compte et à partir basés Moussala Bango et tout ça. Ces gens-là sont censés bâtir 10% à salaire na Bango. Combien de députés nous avons? Combien de ministres que nous avons? Combien de dons? Et vous aviez. C'est pas possible. L'UDPS fonctionne sur bon de dons, legs et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que l'activité qui se passe, ça, ils allument mon abus au Mogo. C'est-à-dire que je dis que je boulot, il y a pouvoir dans la mais je sors mon argent parce que je veux. Dans mon salaire de cotisation. L'UDPS fonctionne comme ça. L'UDPS même au pouvoir. Nous, nous fonctionnons comme ça. Parce que nous faisons les choses par conviction. Et lorsque vous dites que nous sommes du bon côté de l'histoire, voilà pourquoi nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Premièrement, nous ne sommes pas de ceux qui acceptent que les rebelles intègrent l'armée. Lorsque les rebelles, les Rwandais, les Kotinakati, les Bazokota au sein de l'armée, Matata Ponyo était là. A-t-il eu le courage de dire non, comme tu sais qu'il le fait aujourd'hui? Si nous, nous sommes dans une situation d'insécurité, les lots, le service d'abus sur la sécurité infiltré. D'ailleurs, il y a Moko Matata Ponyo, qui ne sait pas que non, lorsque Lunda Bululu était Premier ministre, il l'a reçu comme étant membre de la délégation, il y en a, il y a étudiants, il y a Rwanda, ainsi de suite, tout ça. Ok? Qui ne sait pas que non, les lots, Roubaix, Wasoko Tali, Charles Nana, ok? Azali na. Trois endroits où il y a Botama. À Botami, il y a Minembo et à Botami, à deux endroits, deux autres, il y a Goma. Plutôt, il y a Rwanda, ainsi de suite, tout ça. Qui ne sait pas qu'un coup, l'autre, Bosco Ntaganda, qui était sergent de l'armée rwandaise, a commis les lots. Mais c'était dû à quoi? Mais c'est tous ces conglomérats d'aventuriers qui, hier, pour servir leurs intérêts personnels, ils se sont permis, il y a quoi faire du n'importe quoi avec la République. Le bon côté de l'histoire, c'est quoi? Interdire à ce que nous puissions comment dire, infiltrer encore une fois de plus le M23 et qu'on sort au sein de l'armée pour continuer à déstabiliser la République. Qui, du bon côté de l'histoire, les Soussounini, refusait à ce que le Congo soit balkanisé avec l'accord Yanani à CNDP, d'où Tshisekedi a dit tous les accords qui ont été signés depuis l'existence de la République démocratique du Congo à ce jour avec le Rwanda est suspendu. Du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire commencer à laisser unité de production. Aujourd'hui, nous avons une usine de montage d'Yaba tracteur. Parce que nous disons réellement, que non, nous devons, comment dire, prendre, l'agriculture doit prendre le dessus sur les richesses souterraines, ainsi de suite, tout ça. Nous avons aujourd'hui à Maluku usine, il y a montage d'Yaba tracteur pour permettre à ce que tu boostes l'agriculture industriel, ainsi de suite, tout ça. Quand on dit que nous sommes du bon côté de l'histoire, ça veut aussi dire que nous, vous avez été là, vous dites que vous avez initié Transco, mais nous, nous faisons plus que vous. C'est-à-dire que dans une usine, il y a montage, il y a bus, il y a Transco, nous mettons ici. Mais oui, vous ne voyez pas les yeux comme ça, mais ouais, ce sont des choses vraies qui existent. Je continue sur les États-Unis d'Amérique ont une dette qui s'élève
à des milliards de dollars. Vous savez pourquoi? Parce que Essengeli ko défa oyé na yango ou investir et produire au kamati nyongo au futi. Celui qui dit que ko défa ezamabe ko kota nyongo ezamabe, c'est qu'il n'a pas même pas compris ma tata qui est un économiste. Ozolanda bi onalo ba. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris de la chose. Parce que ceux qui au défi au pesi batu musala, batu wana ba futi mpako. Batu wana mbongo ezobi manakati wana bazui mosala batangisi bana au-delà. Lorsqu'il dit que nous sommes, lorsque vous posez la question de savoir que nous sommes du bon côté de l'histoire, mieux encore, il a promis, ok, de construire 1000 écoles par an. Mais ce qu'on a dit moyenne, il y a 1960, Tina 2019, ils n'ont construit que par an 16 écoles. Tu sais qu'il y arrive, il fait 16 multiplié par 12. Lui, il en a construit 186 écoles. Mais nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est nous qui tenons à ce que la République, l'armée redevienne forte telle qu'aujourd'hui. Nous avons une loi de programmation. Nous avons une loi de politique militaire. Nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que l'armée puisse être efficace. Très bien. Là. Merci beaucoup, Maître Pinda. Ndeko, Monambo Kamish, Miché Sengato, Zongela, Yamboto, soit deuxième sujet, différence entre l'Union sacrée et le FCC. Parce que Ezabatou Moko, Basangani, pour soutenir le chef de l'État en place, n'a pouvoir et tout. C'est quoi la différence? La gérance, il y a la chose publique. Merci beaucoup. Et pourquoi vous êtes du bon côté de l'histoire? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à mon tour, on a un conseil, mon amie. Tu sais, lorsqu'on est nourri par quelqu'un, que la population acquise d'être tout tourneur, mon toi, il y a un à ton université, il y a un tout ça. Il ne peut que mettre ça sous ta bouche, dans ta tête, pour que les gens soient à la caméra, dans le micro, que ça va pas plus bon. Vous savez, le régime à l'élo, toi, on a pour ça créé une rupture. Fais sûr, en ta politique, on a salité à Kala. C'est-à-dire qu'il y a un bon, ça va tout dans les médias, il y a un bon, on a tout le monde. C'est sûr que ma tata était un modèle. So, comment on a l'intérieur de la province, il faut faire l'effort d'y aller. Comparer l'Union sacrée sur la gestion et l'Union sacrée en la gestion, il y a Madame Tapogno, il y a Joseph Kabila à l'époque, c'est le jour et la nuit. Dans ce cas, secteur, il y a sécurité. Maman, j'étais expert, je suis en train de me faire un peu. Je suis en train de me faire un peu, je lui dis grand, je suis en train de me faire un souvenir de ma belle Kabila, je gestion en train de me faire un peu. Je suis en train Batouba, 4 ans après, changé. Et tu es bon. Mais pour le moment, ça va. On a construit des écoles au Kassai. Nous avons fait avec Félix, tu sais, dit Longwa, aussi, ça en venait. Je pense dans quelques mois, au Komakan. Ou le national numéro 1. Parce qu'on a condition qui toque. Il faut autant moller. Il faut amener. Batata nous amène la planche à billets ici. Et vous savez très bien que l'avènement planche à billets est à la base de la déstabilisation économique de la mission. Parce qu'il y a même une inflation. La planche à billets sur qui il a 25%. Ma tante en pognon, il y a détruit la SNCC. Coute escroquerie à mon nez, mais il y a une histoire très mauvaise et bon ma battu. Il y a une histoire, on voit plus de 500-700 personnes le même jour. Et là, on a mis ça. On a un petit solo, il y a une unité de production. Normalement, je voudrais aussi soulever la même question. Les combattants à Pogno, à côté politique, ils innocent, licenciés en monnaie, à Yokokoma, université, ceux qui sont doctorants, pendant qu'il était Premier ministre. Il a fourni des efforts, je le félicite. Mais je suis au Yabiso, il y a Félix. Quand on gère une république telle que la nôtre, avec tout ce qu'il y a de problème, on n'a pas le temps d'étudier. S'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, Nangina Bakisaye, c'est-à-dire que ces diplômes-là qui a été même refusé par le professeur Mabi Mouloumba. Allez-y comprendre que même Atal Elos de Kakomio, il est devenu doctorant, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Angus Soroche. Bonjour, bien, professeur. Nous avons vu il y a gestion, gouvernance à qualité. Gouvernance à qualité, je ne sais pas si tu veux faire référence à quoi. Au début, tu as fait ça, bah résultat. Nous avons vu par exemple. Matata Pogno. Affaire gérée la République, c'est comme si, à instance, à contrôle, il y a canalisation et recettes arrêtées. IGF Oye, ils arrivent à Bolo. IGF pouvait aller où toquer où pour contrôler la recette. Le mouvement en bon, en bon. Matata Pogno existait. Matata Pogno était là. Tout ça, il y a un décret. Il y a un nouvel élan signé à l'époque.
avec Adolphe Moussitou, interdisant qu'il y ait inspecté la finance, il y ait un régime financier pour contrôler la traçabilité. Bon, que l'on approche à contribuable, tina trésor. Mais un tableau, là, les acteurs communs, il est tiré à Nyon, sur Soubino, sur Félix, tu sais que tout va bien. Tout va bien. Je m'explique. On a connu. Est-ce que la population est au Kanisabon? Yo, Kati, maman. Je suis allé maintenant pour m'expliquer. Je ne peux pas vous dire. Au moment où Félix Tshisekedi a dit que Azam est un bon matin, il y a un bon genou. Dans le domaine de Nyonso, à Salaki, projet de société, avant même son entrée au pouvoir, il avait tenu compte de la domaine de la difficulté de la commune. Chiffré d'ailleurs. Vous allez comprendre. Si vous avez un côté pouvoir, même s'il veut le remettre en cause, la prouesse. Dans le domaine de la mobilisation des recettes, il y a 16 milliards de dollars sur le banc de la casse. Parce que ma tata nous a dit ça avait 4 milliards. Il y a un dollar sur le banc de la casse. La gestion est un bon refus, Félix, tu sais ce qu'il dit, n'est pas égale à la banque. Parce que c'est l'informel qui cherche à nourrir. Bon, nous avons la caisse et côté de la poche à Batou. Parce que nous avons un bon, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, la différence de la gestion de l'Union sacrée, c'est que Mbongo, c'est pour le trésor public et servir l'intérêt du peuple. Très bien. On comprend. Merci beaucoup, Mme Mboka. Ndeko, Sonny Mfamba, il faut vous rappeler à Kyoza Ndeko et Nouvelle Elan, qu'on remplacé Maître Claude Ngoma Oyazali souffrant Nandaku, Topessi et bonne guérison. Mme Mboka, bien vous avez une union sacrée, ni Nabandoukwa Lubumbashi. Tous le deuxième sujet, Nabiso rapidement, Yamboto, si c'est mission, strict respect à la Constitution, restructuration et à CENI, paix à cour constitutionnelle, opposition, dans ma démarche, union sur la Kosimba Constitution. Et côté les mélanzala passipé nion sous ali connion que le peuple congolais sali déclaration signée na Lubumbashi bino bayi nouvel élan bozo kan sa que c'est possible que mars au bande au basala le 13 mai au revendication na bango et à la prise en compte pe bazo gain de cause bozo kan sa que ezali opportun ya rosa yango votre mot par rapport à Sijewa. Tout d'abord merci beaucoup. N'apprécie encore une fois, sujet ça malamou, mais on voudrait te dérouter. Je crains que le débat sera débat mon kouya makilele qui est d'actualité au pays. Ici, nous devons parler République. Et toutes les personnes qui gèrent la République, leur vie est publique. Il n'y a pas de vie secret. Makamonyon, ce bazo kosan, Koliana Bango, c'est public. Tanabango et Zali public. C'est pourquoi moi Nambo Kadolfo Mzito Azo Koloba que tout a été dit sauf la vérité. Pourquoi? Parce que communication verticale est à la kate Nambo Kanabiso où les dirigeants communiquent directement avec les dirigés. Vous verrez Tokosa la plateau émission à l'élo, bah, téléspectateurs. Bakota la kaka ba discussion, l'UDPS, nouvel élan, SID. Non, ici, nous sommes des représentants des partis politiques qui viennent définir de programmes. Comment est-ce que la République pourra marcher? S'il n'est pas venir nous présenter français, Tokaza Kayamoutou. Non, je viens vous rencontrer. Je viens vous rencontrer parce que c'est le débat qui est bon. En tout cas, moi, je vous félicite. Bah, thème Oyozu Yézaba, thème Moko Capital. Et Bana Congo, Bazo Koyo Kabiso, Awa, Bazana intérêt. Vraiment, Yakolanda Biso. Bah, fait relever. Na Bandekoyo, Bah, Sangani Kuna, na Lubumbashi. Je pense que Bah, fait Wana, Ezali notoire. Il n'y a pas beaucoup à rejeter dans ce qu'ils disent là. Parce que même Biso. Côté Nabiso, Seni Yalelo, ça a l'odeur. Il y a ne pas qu'au Pesa Biso, élection, il y a malamou na mboka Nabiso. Ça risque d'être plus pire qu'il y a 2018. Vous comprendre. Alors, Lelo enrôlement. Tozo komona bana mike. Dès moi-même de 10 ans être enrôlé, Tozo kende wapi. Ceux qui on doit revoir Fushewana, Mabe Ezali wapi. On peut le faire. On peut le faire. Nazongeli Makamboya Kolobok, la vie des animateurs ou des dirigeants
c'est une vie publique. À tout moment, il faut ezala remise en question. Kotalisa yango, ko refléter yango. Tout ça la makambote net ya bango bango. Non non non, Salini, non. Les unités de production, que l'on parle. Où sont ces unités de production? Elles sont localisées où? S'il vous faut voir. Oui, oui, je reviens, elles sont localisées où? Ils sont non traçables. Si on va à Maluku, on va voir quelle est la taille de l'entreprise et là, quel degré. Moi, je suis économiste. J'ai besoin des chiffres. J'ai besoin de la localisation, d'une adresse. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'entraîne dans une euphorie à emballer. Donc, je soutiens la population et ça derrière. Je respecte le peuple congolais. Il faut. Bazan a droit à koyer la vérité. Tala, une idée comme celle de mettre qui est paiement de l'impôt direct et indirect. Par exemple, la TVA. Ça génère des recettes pour la République. Ça rentre directement dans le budget. Parce que sucré, oyona komela, nameli festa. Directement, ils ont un bon na côté ici, na caisse à l'État. Ce n'est pas une entreprise qui est en construction pour montage de pièces que vous ne savez même pas commander. Et vous savez, cette chaîne de distribution, comment elle s'est faite? Du producteur au consommateur, vous savez, les intervenants là, ce n'est pas français. C'est tout un programme. C'est un programme. S'il y a un débat contradictoire, honnête, et succinct, qu'on me montre quelle est la chaîne de distribution et l'acquisition, en quelle périodicité, à quel coût. Merci beaucoup, Madame Boka. Et monsieur Zalaninga, il faut nous rappeler. Voilà, à quel coût? Pour que tous à la bisounion soit. Vous construisez cette entreprise. Mmh. Elle va coûter combien à la République? Donne-moi les chiffres. Merci beaucoup. Ne dites pas des choses qui vont par après vous rattraper. Où on va commencer à dire, non, vous êtes toujours des menteurs, vous êtes toujours des menteurs. Non, il ne faut pas. Il faut à un moment donné se ressaisir, se tenir debout. Très bien. Merci beaucoup. Ndeko Faustin Simanga, Ndeko ya LGD, Azo Kanisisanga, Mwana Mboka, Moko, Nakanisaki, Lobi Mingi, Ndeko Manix, Yendawa, Zaina Boloko, depuis plus de 3 mois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ndeko Faustin Simanga. On a l'impression que Mme Nyon Sobokyo signé dans le Lubumbashi, c'est Salim. Et si l'Obama, on change le côté. Parce que Nzala et tout, population en a aux élèves, peut-être candidature commune, mais le ministère de marche. Bonjour, quand ça que ma revendication est déjà fondée, est-ce que vous avez gagné des causes dans quelques mois éthiques pour la restructuration, la CENI, restructuration, la cour constitutionnelle? Est-ce que ça a moyen de faire la bonne équipe en élection? Bah média neti yo oza ndeko na biso oza na commande lelo, il faut aider population et comprendre makambo na calme nyoso omoni ndeko na biso aye na studio akomi, je pense que a sotuki na na koti na contexte te a sambalé tant na beti makambo ya bandeko bazo ya retard pour na cause ya embouteillage ezala ki évoqué et pas na été a sambalé. Ndeko na biso na ebandeli a lobby na yeri na retard parce que nazaki na embouteillage. Donc c'est sur bas de ça. Mais comme bandeko na biso a IDPS, ba misana ko se sentir attaqué surtout. Ba s'enflammer, yango s'enflammer lelo. Parler fort, ce n'est pas parler vrai. Il faut élever les mots, pas les tons. Il faut respecter les téléspectateurs. Au moni babilonyo so bazo lobana, eza laboratoire noir hein. Et je suis sûr que yemoko azon dimila kutu makambo o azo sanite, il est dans une représentation o balobi na lopoto eza image azo lingate ka image moko boye oyo azakutute. Je suis sûr et certain, et même en parlant on sait comprendre qu'il est intellectuel. Je suis sûr que entre ce qu'il croit et ce qu'il présente, il y a un fossé. C'est comme ça qu'on dit qu'il est dans une représentation fallacieuse. Il vise à tromper la population, vous savez, et je crois à sa capacité d'intellectuel de s'y ressaisir. Vous savez, ça ne sert à rien de venir monter les tons, faire du théâtre. On est fatigué de tout ça. Parce que l'UDPS s'est agité dans ces pays. L'UDPS a tenu ce type de discours dans ces pays, mais aux affaires, ils se sont rendus compte qu'on ne gère pas le pays avec les chapelets des bonnes intentions. Non. Pour revenir un peu, Nanini, na question na yo,
tosali et loko au basalaté. Il faudrait déceler nakatia et loko SID, LGD, ensemble pour la République, na envol basali. Il faut comprendre tant na lout na bandari ko lobana e banzi ndé ko na biso o azala ki ko la pongi tant to bandi émission à comprendre que na lobaki ki toza alternative et alternative na ba idée. Tobeta makambu na ba idée. Tobeta makambu na ba idée. C'est intéressant. Ça veut dire que tant que le makambu leadership et à qualité, c'est être capable de s'élever tôt comme matata, il s'élevait tôt, il partait avec les mamans qui partent chercher tout le matin mapa na ba usine pour na côté ka matata ponyo batunyo so ba yebi ke rigueur naye et bandarana gouvernance et bandarana respect à temps. Matata so ki botan na na rendez-vous na 9h. Ceux qui n'aiment pas. Tous ont la communiqué. C'est pour juste vous montrer quand quelqu'un n'est pas capable de pouvoir s'élever tôt pour respecter un rendez-vous sur un plateau de télé et il vient crier, c'est un problème. Pas la tête personnelle. Voilà. Ils sont incapables de pouvoir produire les idées. Plateau est très calme. Ça veut dire que au moment agitation, l'esprit d'agitateur, il y a UDPS, il faut étika place pour naki kimia ekota na. Siko yasikani bino wa memeli. Yasika eza leadership na gouvernance à qualité. Nazo démontrer bino yango. Na banzi na union sacré ba ici soir, il y a ceux qui peuvent les anciens, on peut faire les nouveaux avec. Mais il faut comprendre qu'il faut un vin nouveau dans des outres neuves. Voilà, bateau, bah, et quand même, moi, Bible, bah, pour comprendre. Dès qu'on a dit, soit dans la prière, peut-être qu'à comprendre, et là, on a zolo, bah. Il faut faire du neuf avec des outres neuves. Ça veut dire que neuf, les animes, ils ont bah, idée. Ceux qui t'ont tout ni, idée ni ni, union sacrée, produire, tissico, au moins, à qu'ils athées. Bisso, le renu, tout bimi, yassika. Ça veut dire, t'ont ressemblé pas autour des individus comme on a tendance à chercher à nous vendre. Tout ça, alternative par rapport à. Expérience et gestion en Boka. Bateau bazan à union sacrée, bateau bazan à union sacrée, bassiné sur base y a idée, bassiné sur base y a positionnement, na qu'on a l'élection, bateau patrouillé n'est pas mais ça n'a. Mais biso tout ça alterné pour la nuit. Tout ça ma gestion ou proposition y a alternative basée sur leadership, na gouvernance y a qualité. Soro talipé bas leader news bazan kuna na bazan leader à qualité. Ah bon. Bazan leader à très grande qualité. Vous savez, vous êtes intellectuel, élevez un tout petit peu les niveaux, même si votre casquette politique vous oblige à être dans les bassesses. Vous savez, il faut faire l'effort d'élever les débats, quitter les bassesses, parce qu'on s'est rendu compte que les bassesses dans lesquelles vous avez amené la population congolaise apportent le chaos. On va vous excuser quand vous allez dire « Ok ». On s'excuse. On avait critiqué la gestion de du cadre macroéconomique. Excusez-nous, professeur Matata, enseignez-nous comment on gère l'État. Parce que vous allez remarquer, interrogez l'histoire. Vous êtes intellectuel, enfin, je crois. Faites l'effort d'interroger l'histoire. Vous vous adressez à moi, c'est moi qui vous interrogez. Non, mais interrogez l'histoire. S'il vous plaît. 30 secondes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je continue à répondre. Je me suis permis de m'adresser à vous parce que sur un fond, sur un ton insoutenable, madame. On m'a même pointé du doigt, chose qui est censée ne pas être faite. Donc, vous savez, il faut respecter la population congolaise. Je parle de l'alternative crédible que les LGD et ses partenaires portent, basée essentiellement sur le leadership et la gouvernance de qualité. Aujourd'hui, ils sont incapables de parler du leadership parce que leur capacité de conduire est défaillante. Ma question est, Zahir, qui selon communiqué Nabino, est-ce que c'est une moyen au Kima élection parce que dans 6 mois, restructuration, il y a ce gros 6 mois. Est-ce que bateau, c'est déjà attendu. Est-ce que bateau s'enrôler, Bako Kima élection. Bisso, vous voyez qui va partir, Moussous, c'est un qui va s'enrôler. Bisso LGD, tu as appelé l'enrôlement, tu s'enrôler. Matata pour nous, candidat, aza enrôlé. Très bien. Merci beaucoup. Tous les gens qui ont un de commissaire, rapidement,
revendication il y a ma décomposition le 13 mai babobimana balabala pour na rosenga nyonso na otikotanga structure respect à constitution restructuration à CENI restructuration il y a cour constitutionnel pe bon na bon est-ce que les lots alors que toi qui na ma pour ma revendication la ba les a fondé est-ce que c'est possible de faire tout ça soit les a ka une manière pour na boyo qui ma élection madame Naomi na bandi ki na za midi na za 5 minutes voilà. Très bien. Non, on a une minute, mais on va pas répondre. Non, non, non. Oh, bien sûr. Mais je suis dans mes 5 minutes. Minutes. Ah, ok, donc tu es 5 minutes. Très bien. Leadership à qualité, valider la qualité, et que nous, nous sommes taxés de bassesse. Là, on a la plateau. Oui, peut-être à l'époque où ma tante était premier ministre, toi, tu n'étais pas en politique. Vous avez peut-être étudiant. Il n'y a pas pointé à mon sapin. Oui, oui, bien sûr. Je peux finir. Vous l'aviez fait à mon égard. Vous aviez même pointé du doigt et vous m'avez même insulté sur le plateau. Vous étiez peut-être insulté, monsieur. Je vous ai pas insulté. Ne vous sentez pas attaqué. Depuis que vous êtes là, vous sentez attaqué. Ne vous sentez pas attaqué. Je reviens. On vous a pas. On vous a pas insulté sur le plateau. Maintenant, je parle. Peut-être à l'époque. À l'époque, j'insulte pas. On était, nous, on faisait déjà la politique. Nous étions déjà en train de faire quelque chose en politique. Peut-être que Yozagi est un étudiant, la vision et LGD, t'as convaincu la manière qu'il t'a parlé. J'estime, je ne confirme pas que c'est la vérité, mais par rapport à ta façon de développer tes idées, ça me pousse à dire ça. Oyebi Namboko, vous n'avez rien à prouver à la population ici. Peut-être que vous avez bien belé sous ma tête de Yo. Vous comprenez? Ma tata n'a jamais été. Place nous sous en politique avant 2012. À part Bamisala n'est privé à Banosala. Vous comprenez? Il fut d'ailleurs licencié. Déjà en 2012, moi j'étais licencié. Ma tata était un licencié comme nous tous. Aucune expérience de la gestion de la chose publique. Vous comprenez? Et toi, tu l'appelles professeur parce que tu manges derrière ma tata. Il t'a convaincu de la manière que tu as porté les vigiles de son parti et tu nous amènes des cancans sur ce plateau ici. Toi, tu penses que toi, tu peux nous perturber avec ces mensonges-là. Ça peut traverser les téléspectateurs. Et puis deux, madame Tapono a quel type de leadership? S'il vous plaît, moi. Madame Tapono a quel type de leadership? Et puis, quel leadership parle-tu? Il est porteur de quelle vision? Il peut influencer qui? Peut-être toi? Ou tes amis du parti. Je finis. Je parle. Je suis en train de pulvériser le sujet par rapport à En dehors de Maniema. Maniema d'abord représente 1% à l'élection. Matata Tapono est leader par rapport à quelle province? Par rapport à quel espace? Matata Tapono peut devenir président de la République et qui va l'élire? Matata Tapono. Na Kinshasa, Matata Tapono représente quoi? LGD, là, ton parti qui vient de naître aujourd'hui, avec une idéologie inconnue. Dis-moi, qui peut connaître Matata Tapono? Qui peut lire Matata Tapono? Nazu, c'est Sanga. C'est Sanga d'abord à Kananga. À Kananga, moi j'étais à Kananga, moi j'étudiais à Kananga. C'est Sanga à Kananga ne représente même pas 10% de la légitimité à Kananga. Si je peux comparer ces Sanga, je le compare à Honoré Mvula. Honoré Mvula qui aujourd'hui, d'abord, à Luisa, fait beaucoup de choses plus que ces Sanga. Et il est là-bas parce qu'il parle français. Azoko Sabatuna Touba sorti, mais avec des petites théories qui développent par la télé. Et les gens se font une idée, non, c'est un candidat présidentiel. Même moi, je peux l'être. Nazu Fayou. Un Fayou le porter en dignité ici. En 2018. Candidat unique de l'opposition parce que Ben Bazalakate, Katoum Bazalakate. A su chance, on a été. Bame Mayako Mazoki candidat. A Kébi Misagaleso du Boswa Katoum. Mata Tapono, Fayoulou. Je vais parler de Fayoulou. Matata Tapono, est-ce qu'ils ont le même niveau intellectuel que Moïse Katoumbi? Mais ils sont partis s'incliner là-bas. Loger, personnellement, Katoumbi a quel niveau intellectuel pour faire face à Matata Tapono, pour faire face à Fayoulou, pour faire face à ces sangs. Vous voyez le niveau de votre leadership? Un leader est porté d'une division. Il va faire les autres comme lui-même. Donc, Nengezawana, Matata Tapono, n'a manqué les unions sociales de la Abino, n'a pas les unions sociales de la Thérèse au Sabatou. Il y a un autre, c'est Moïse Katoumbi. Ça, ça. De deux, ceux qui ont yébi Katoumbi, Katoumbi ne peut rien représenter. Et devant l'Union sacrée, même l'UDPS en particulier, même mon parti en particulier, personne n'a peur de Katoumbi parce que moi j'ai fait ma politique au Katanga. Je connais Katoumbi comme ma poche ici. Donc il ne peut rien me terrifier. Bah, recommandation, oh là, issue de la déclaration commune au Basalaki. C'est un non-événement, madame. C'est un non-événement. Bah, tu vois, là, attention. Attention, parce qu'ici, il va toujours sur 4-5. L'Union sacrée n'a pas peur de Batouana. Je vous donne un exemple. Un candidat commun, un grand opposition. D'abord, Barolo Kanate.
Pour quel poids politique? Matata représente quoi? Matata. Sur le plan politique, Matata représente quoi? Matata ne représente rien du tout. Le français qui Matata Polo parle, tout le monde en parle. Et lui, il ne parle de leadership, un concept creux, c'est vide. Il n'y a rien là-bas. La leadership de Matata Polo, zéro. Babylon, on est au basé le projet de Matata Polo pendant ces 4 ans à la primature. Pour avoir un budget de 4 milliards. Là-bas, il se croquerait, nous sommes là tout de suite. La construction de 1000 écoles. Où est-ce que les conditions sont enseignées à l'époque? Mais Abasso a acquis bien qu'on préparait fraude électorale. Non, préparé fraude électorale. Il faut avoir de preuves. Vous comprenez? Ce qui va en gros, la fraude en 2006, 2011, 2018, ce n'est pas avec Tshisekedi. Vous avez un président public qui n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Il a besoin de légitimer son deuxième mandat à travers les élections. Le pouvoir répond aux 3 étapes, frère. Nous avons la légitimité sociopolitique. Nous avons l'exclusivité, nous avons la légalité. Sur le plan même légitimité, votre mandat à Pono n'a même pas 2% sur l'état de la République. Avec ces petits, ces sangas qui viennent naître aujourd'hui en politique. Si ces sangas est considéré par mandat à Pono comme un robuste en politique, c'est une honte pour votre parti. Et puis deux, Moïse Katumbi qui vient naître. Il est né en politique en 2003. Si tu ne connais pas Moïse Katumbi. Donc il faut vous dire qu'il faut avoir honte. Et il faut beaucoup vous réserver quand vous vous attaquez à la majorité, quoi, à l'Union sacrée. Et vous voulez comparer notre gestion à la gestion des 18 ans, une gestion chaotique. Ma bête, il est maman, pour la maison, on va monter la barrière. Aussi, il est maman. Bassim Basseni, pour la matata pono, c'est ça qui a matata pono. C'est n'importe quoi. Bah, moi, on a 4 ans, on a basa recommandation, on a battu la CENI. C'est pour que CENI, on a, elle gère à quota. Maenani, c'est Sanga avec son parti en vol, Katumbi et tout ça. C'est ce moqueur de gens. Toi, tu veux me dire qu'en vol là-bas, 4 partis où on a, oh, tu as ça plus que ma partie, nous sommes en union sacrée. Nous n'avons pas la politique où on a au divisé à Rabat, comme il y a Rabat. Avec Tshisekedi, nous avons besoin de tout le monde. Il y a mon ami, union sacrée, faut qu'on lui porte. Oh, il y a mon ami, il y a Rosal et Lambora, à Roy Baté, à Yakota. Donc, mon Dieu, c'est pas ça. Tshisekedi n'a pas appelé, avec il va partir, Bayate. Qui est bon, il y a union sacrée, tout ça. Non. À l'époque, vous connaissez les positions de l'IDPS à l'époque. L'IDPS seul pouvait se suffire pour aller aux élections avec un projet. Bruno Boyer, bien, moi bien. Boyer, bien, moi bien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, brièvement, madame, ce que je voudrais dire, c'est que comparer la gestion il y a 4 ans, oh, ça dit, prouesse dans le domaine de Belé. Mobilisation des recettes, infrastructures, amélioration sociale, ce qui est au Boya. Aussi, contexte à l'élo, n'a contexte à ma tante à l'époque. Très bien. C'est différent. Merci il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de choses qui sont venues, mais qui n'ont jamais existé. Merci beaucoup, Ndeko. Moi, Namboka, merci beaucoup. Maître Richard Pinda, tout ce qui est pratiquement à la fin, il y a émission à Bisso, ce qu'il faut aux à la technique, ce qu'il faut aux à la scientifique, par revendication, il y a Bandekwa Lubumbashi, est-ce que c'est faisable? L'élo, dans quelques mois, tout changer, nous sommes restructurés, nous sommes parce que, bazo mon année, il y a une sacrée programme. Si il y a 500 partis politiques pour nous, il y a ma pronom. Avec mon âge, je viens débattre, monsieur en face de moi me dit que j'ai de la bassesse. C'est insultant. Pourquoi je vous ai dit, il faut que débattre n'ayez sur un plateau. Je trouve ça très insultant. Non seulement à mon égard, mais à l'égard, il y a eu peu mouton invité, Nabato Bazo Rolanda Bisso. Je ne vais pas aller sur cette voie-là. Dans le lobby, il faut savoir une chose. On dit leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Tobandi, leadership, il y a qualité. Il faut avoir une vision. C'est-à-dire qu'il faut savoir où vous voulez aller. Posez-vous la question de savoir, Moïse Katumbi, qui à un moment donné se retrouve avec Tshisekedi, suivait-il une vision ou ses intérêts individuels? Allez-y comprendre que tant que Moïse Katumbi a eu des mêlées judiciaires à Dubaï, il recourt à faire pression à Tshisekedi, croyant que Tshisekedi a la pression. Pas du tout. Ok? Tshisekedi a saliboni, a kangika ka position aye. Va régler tes affaires dans Dubaï. Aux hommes, ils pensaient que la République allait le soutenir. Rappelez-vous que c'est dans son comportement à Anira Ningwana. Lorsque nous sommes avec la Gécamine, lorsqu'il a des problèmes dans la Gécamine, il accuse la Gécamine à Kéine à niveau ya Zambie. Zambie a porté dossier naye au nom du recouvrement diplomatique, il y a ressortissant ya Mbokawana, ya Zambie. Aya le bio non, vous devez à notre ressortissant de l'argent. Bakangi va voir Yaje Kabine. C'est-à-dire que c'est dans ses habitudes. Il a voulu faire la même chose avec la République démocratique du Congo à soutenir. Tu sais que l'habit, moi je ne suis pas un mafieux. Atigué la position. En fait, donc la nationalité, ça s'en dit beaucoup. Je prends pour la minute comme aussi la nation KPA.
docteur Mukwege qui fait partie de cette affaire-là. Mukwege, c'est un médecin hors pair. En principe, au lieu de décorer, pour voir la farce, hein, au lieu de décorer, prix Nobel et science. Pour que les scientifiques au monde vont contester, ils savent qu'il n'a rien d'apporter d'innovant. Aux Hollanda, en matière scientifique, il y a un décoré et prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que Mata Tamponio, parce que Moïse Katoubi, parce que Martin Fayoulou, parce que Nani Soussou, Délice et Sanga, d'ailleurs, il est tout le temps à la porte, il y a Grande-Bretagne, ainsi de suite, tout ça, dépendent de l'Occident. Quand on dit Occident, on fait allusion aux multinationales. Multinationales, on dit ceux qui financent l'instabilité à l'est de la République. D'ailleurs, Glencore et consorts, c'est connu de tout le monde. J'en viens à Mata Tamponio. Je n'ai pas un bunker chez moi. Lorsque Moutazo construit un bunker, ok, c'est pour faire quoi? C'est pour échapper à la justice. C'est-à-dire que Moutouana dans sa tête, c'est qu'il a un esprit criminel. Aux Hollanda, il a un esprit criminel dans sa tête. Il sait vous que... Vous êtes avocat, vous n'avez pas de preuve. Oh, avance, on va construire un bunker, pourquoi? Ce qui s'adam a construit un bunker, c'est pour s'y échapper. Akima, ce qui est bébélié. Ok? Ce qui s'adam, l'autre, Oussama Ben Laden a construit un bunker. Pour échapper. C'est pour y échapper. Ce sont des esprits criminels qui se disent que dans le salamabé, mais dis-moi maintenant, yo lobi nanga, je suis avocat. Vous qui n'êtes pas avocat, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Mata Tamponio s'est construit un bunker? Vous ne dites rien. Mais moi, je vais vous le dire. Lorsqu'on a poursuivi Mata Tamponio, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'y est échappé. A qui n'a qu'un bunker à côté? Aux Hollandais. Lorsqu'on poursuit Mata Tamponio pour un dossier à Bukangalonzo, il y a encore d'autres dossiers. Zaïrealisation et tout ce qui va avec. Retenez une chose, les gens qui suivent qui Matata, qui Moïse Katumbi, qui XYZ, c'est pour sauver leur peau. La preuve année, on nous a donné l'impression ici que la Cour constitutionnelle s'était dédiée. Hein? La Cour constitutionnelle était à se contredire. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. On vous prend, on vous donne 500 dollars. Parenthèse, j'ouvre une parenthèse. C'est la je fin salue, de l'émission. Maman, 5 secondes. Minutes, pardon, oui. 5 minutes. Nekonangaï Manix Yenda, que je salue en passant. Ne nous donnez pas l'impression que Manix est arrêté par le fait du pouvoir. Ok? Bango parti na bango. Babimisi badone bake na mona ane. Balakisi. Manix Yenda sortait de là où il était, à se tenir nanine na Willeri Awa, pour dénoncer son partenaire. Vous entendez? Pour dénoncer son partenaire. Qui est son partenaire? Mais son parti. Qui est son partenaire? Mata Tamponio. C'est ainsi qu'ils vont boutiquer une affaire. Et lorsqu'ils boutiquent cette affaire-là, ils veulent mettre même à charge. Kobo Sanate, il a été Premier ministre. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il a des relations avec les gens de la NER? Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il a des relations avec les services de renseignement? Puisque nombreux de ceux qui ont été au PPRD, qui ont cessé d'être en fonction publique, ok? Directeur et Aner Bazali. Ils ont monté la même chose avec Jimmy. Ok? Si quoi, monter Peloro Moussoussou contre Manix. Vous voulez nous dire que. Manix retient ce que je t'ai dit. Pouvoir Sam Sanet, il y a un élément d'information. Le pouvoir cherche les informations. Il enquête. Ce qu'a Monique Zayango, Bazio, Batio devant juge Nayo. Aux Hollanda. Et puis, les sous en matière de procédure, quand il s'agit des services de renseignement ou atteinte à la sûreté de l'État, délai a tellement moulaï que Manix sortira un jour. Je demanderai à Baobola Nangaï, Bakataka parti au Naoluba, Manix sortira de là où il est un jour. Et il vous dira qui l'a amené là. Très bien. Et il vous dira même pourquoi il est allé là-bas. Maman, 5 minutes dans un gobita. 5 minutes, ok. 5 minutes. Tu as là si c'est 5 minutes dans un gobita. Pardon, Yasuka, 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 maman. Yasuka. Na bosanité ndeko ya mozito ndeko nanga. Et d'ailleurs j'en profite pour présenter ma prompte rétablissement à ndeko nanga et Claude Ngoma, mon estimé confrère. Et donc papa nazala ki na olo tande na bombardé sur yo mais na moni oyete, c'est pas grave, je veux m'en prendre à celui qui est par derrière moi. Ndeko nanga, vous avez dit une chose, vous avez dit république, et j'aime une chose, hein, que quand je suis sur un plateau, les gens oublient qu'ils devaient débattre sur les sujets, ils débattent maintenant sur moi. Oh non, si tu es intellectuel ou si tu ne l'es pas, si tu... ça je me réjouis. Rappel je voudrais dire ceci, maman, la sincérité. La sincérité, maman, pardon. La sincérité. Lorsque nous parlons de la République, nous devons nous dire ceci.
OK? En vertu des principes, il y a continuité de l'État. Nous devons nous assurer et nous rassurer d'une chose. Quelle est l'unité de production Oyo, Mozito, Atiki? Parce qu'on parle de la gouvernance de qualité, n'est-ce pas? Hein? Unité de production Nini. On parle de la gouvernance de qualité, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de qualité et qu'aujourd'hui, puisque vous avez déjà fait quelque chose, on doit encore vous réitérer la confiance de la population. Et on va le faire en vertu de quoi? En vertu à fabrication, oui, si vous pouvez me dire que non, au Loni Massango par miracle et Botami Université, je suis d'accord. Mais pour que ça se formule dans la Poto Tongaba Université sur toutes les terres de la République. Très bien, merci beaucoup. Pour que ça permette que nous ayons des intellectuels. Merci beaucoup. D'ailleurs, madame, s'il vous plaît. Non, 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 c'est bon, je vous reviens, s'il vous plaît. Je vous reviens. J'étais à l'Université de Kinshasa, madame. Maître Ndekosoni, Tosi Sanayo, votre mot de la fin rapidement. Tosi Sanayo, Malamboka, le terroriste du M23 refuse de se retirer dans certaines zones. Est-ce que Foro ça est la proposition? Il y a Adolphe Mouzid. Comment est-ce que vous allez Kokanisa Koeko qui vous allez possible de le faire la guerre d'emblée comme ça? Est-ce que c'est pas trop vite proposition naé en une minute rapidement aussi ces missions on demande au régime Tozo Luka évidence parce que Tozali n'a troupe au front. Tozali avec une armée au front. Parce que Kagame n'a pas besoin d'écouter. A comprendre Kaka, ce qui te contraindrait par la guerre, c'est le langage que Kagame peut comprendre. En dépit de ça, il ne comprendra rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que Azali, ma cacité, moi, Namboka Adolphe Mouzito l'a démontré, mais que il ne constitue qu'un pour cent. Na kati ya Congo. Tu n'as même pas besoin. Il y a quoi attaquer. Mais parce qu'il voudrait nous importuner. Yango wana sikoyo, to lobby, il faut tout bétailler. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit se préparer. C'est parce que déjà, Tozali na troupe. Tozali déjà na troupe. Na ba frontière. Pourquoi troupe wana et fin de Kimia? C'est pourquoi aujourd'hui on dit non, on n'a plus. Et à s'organiser à l'interne, il faut carrément attaquer le Rwanda. Merci beaucoup. S'il vous plaît, merci beaucoup. Simanga, Tosi Sanayo, comment résoudre, pacifier l'Est de la République? Parce que depuis hier, une bande de Koya, société civile et même Bakondi Bazar ont confirmé que M23 Bandeko s'est retiré. Et ça, moi, sembla s'est retiré. Bazoing s'est camouflé. Vous pensez qu'il faut qu'on continue avec feuille de route Yawanda, topé, ou ça, de quoi faire la guerre rapidement en une minute, émission Cyril. Bon, faire la guerre avec quel moyen, avec quelle organisation, avec quelle gouvernance, avec quel leadership? C'est ça la question. L'armée, s'il y a une armée qui existe dans un pays, ils ont pour battre ça la paix-guerre. Mais sur les pays, il y a armée, ils ont la guerre. On peut répondre beaucoup. Ouais, donc. S'il vous plaît, Ndeko, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bon. La guerre, on l'a fait comme ça. S'il vous plaît. Je vous en prie. On a suivi religieusement. Madame, vous nous avez invité. Je ne suis pas acteur du théâtre, je suis acteur politique. Ça veut dire que la politique incombe une certaine noblesse et une certaine hauteur. Et vous avez cru nous faire comprendre que vous avez des informations. Mais vous savez, j'ai cru entendre que vous étiez avocat. Faites attention sur ce que vous dites, parce que ça peut être retenu contre vous. Vous savez, non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on est en train de débattre de la République. N'émettez pas le grain de fumée. Je comprends. C'est de votre liberté pour venir ici, mettre le grain de fumée, éviter les bons sujets, les vrais sujets qui concernent la République. Je pensais que vous étiez en train de... Mais madame, s'il vous plaît, Namoni, 5 minutes, Nabango, je pense que ce n'est qu'une partie remise. On va revenir, s'il le faut, mais il faudrait que les téléspectateurs puissent comprendre que Bisso, Toza parti à alternative, Toza parti à leadership, Toza parti à gouvernance et à qualité. Pas parti à Milingao et Bazo, mais Melabi souhaite pas Union sacrée. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Mme Boka. Ndeko,
Mardoché. Mardoché. Tosi Sanayo. Que faut-il faire? Est-ce que votre mot de la fin, est-ce qu'il faut continuer na Likambote faire des routes à Rwanda parce que bandeko bazo ken bazo zonga ba terroriste bazo ken bazo zonga comme des une blague alors que il y a ces gens sur place, qu'est-ce qui s'efface? Madame Oyebi, ce qui concerne la pacification de la le processus il y a pacification de l'Est, ils ont relancé depuis Kala. Un civil de son état, à peine entré au pouvoir, a décrété état de siège, il a même diminué le taux de mortalité. Et d'abord, on a besoin de nos coûts à chaque jour, Kati, Sali, ça a diminué. Et il faut qu'on ait qui est complice dans le Rambo Est, Nani Aliaka, Simaya Makila, Bakongomani, ainsi de suite. C'est souffert, tu sais qu'il dit, avec toutes ces avancées significatives à l'Est, tu es que l'organisme Union sur le droit de l'homme, passe le rapport pour recharger au Rwanda avec preuve à la bouille. Donc, il y a qui mouné nos félix à la pécibition. Et là, on a mis balé, dans le comportement par rapport à Marambou à M23, à Bouy. Ça, nous, on aime. Il n'y aura pas de négociation dans la guerre. Et puis, pour la guerre, on ne peut pas recevoir des leçons ni de Adolfo Muzito, ni de Fayoulou, ni de tous ces gens qui se sont réunis dans la magie, ce sont des aventuriers. Pourquoi? Parce que pour la guerre, il fallait lire les lois. Je veux dire, l'arsenal juridique en Bourg-en-Abisso, les lois qui réglementent les institutions, il faut aller dans le détail pour comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Guerre des athées, oh, ben on va faire la guerre, ça se passe comme ça parce que tu l'as dit. Non, c'est un processus. Il y a des préalables. Il y a des conditions qu'il faut respecter dans les lois. Il y a des choses qu'il faut faire pour aboutir à ça. Et puis deux, je me réserve le droit de spéculer. S'il vous plaît. Je me réserve le droit de spéculer sur ce qui concerne ma attribution. N'est-ce pas? Il y a ma service de sécurité, renseignement, sur tout ça. Parce qu'on a peur. On a des médias. Les Rwandais sont dans le coin, ils sont partout. Ils sont en train de suivre les positions. Service d'abus de la sécurité. Oh, Makambota Liguer, nous faisons confiance absolue. Et puis, Michel Kokanga, la principale loi de la députée Nabiso, pour la résolution de Bazoaki, n'est-ce pas? Contre-brassage, intégration, mixage, Bilo Gonyo Zouana et Sili. Et puis, Bango, il faut comprendre que Bakongomani, Bato, Yoboyo, Bangote, pourquoi? Ils n'ont jamais condamné le Rwanda ni l'aide de la République parce que Lia Fufu y a pas de problème. Merci beaucoup, moi. Et puis, Nengala Bako, Tikala Jamé Kokane, Namakamboaïs. Moi, Namboka, maître. La population congolaise continue à réclamer la fin de la sécurité. À quand pacification, il y a est la démocratie du Congo. Tout ça, sur la bonne voie. Déjà, sur cette question-là, le processus est en cours. Et certainement, ce processus va aboutir à quelque chose, c'est-à-dire la pacification à l'est de la République. Il faut te barrer l'eau au Moko. Lorsque nos amis nous disent qu'il faut faire la guerre, il faut retenir une chose. Ils sont dans la logique du Rwanda. Pourquoi j'ai dit à la logique du Rwanda? Pendant que Mata Tamponyo était premier ministre, on a facilité, qu'est-ce qu'on a facilité? Le mixage, les brassages. C'est-à-dire que, bas un objectif, on va poursuivre. Hein. C'est-à-dire que fragiliser la République. Fragiliser la République, infiltré. Voilà ce qui se passera lorsque nous irons directement en guerre. Il faut pas se préparer. Donc, il faut y aller comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Vous avez des troupes au front. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Mais vous avez des troupes au front. Lorsque vous allez Bitumba, côté Nabiso, on le voit plus d'une fois, n'est-ce pas? Alors, Biso, le roi, tu as prévenant. Tu as dit, qui ne l'est pas. Aux Hollanda. Aux Hommes, examiner dossier militaire, ainsi de suite. Pour faire quoi? Pour que lorsque les gens vont à front, bas à la bateau, bas à acquis à la cause de la République. Mieux encore, vous allez vous rendre compte que nous ne faisons que des réformes. C'est-à-dire que tous ont formé militaire, tous ont même pour que les choses soient que tous à la discuté. Et au jour d'aujourd'hui, le discours qui est sorti de Tshisekedi Ezali, nous irons chercher l'M23. D'ailleurs, retenez une chose. La ligne a chuté en disant ceci. Vous pouvez m'accorder. Lorsque nous sommes en matière, il y a droit international. Je parle en tant que publiciste internationaliste, ok? Et doctorat en droit. Lorsque nous sommes en matière de droit public international, des relations internationales, pour que tous voient la communauté internationale à témoin, il faut épuiser toutes les procédures. C'est-à-dire à l'extérieur. La guerre en soi doit être l'ultime recours. On n'y va pas faire la guerre comme ça, la Mouka Bobando, c'est la guerre. Non, pas du tout. Il faut épuiser toutes les procédures. Quelle est la garantie d'épuiser toutes les procédures? Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que Kagame ne nous agresse pas pour l'intérêt à la communauté Morobo et Batuti. Kagame ne nous agresse pas pour autre intérêt, si ce n'est que pour des intérêts à Mabé. Très bien, merci. Nous avons encore fait mieux, madame Nalina Chute. 30 secondes, c'est ça, monsieur. Parce que c'est soulevé par notre frère. Il est économiste.
Laissez-nous publicistes internationalistes qui sommes experts en matière de relations internationales. J'étais aux J'étais au Kenya en 2008, aux élections, comme envoyé de la République démocratique du Congo. Je connais ça. L'EAC, c'est une réalité qui concerne tous les pays, entre autres la République démocratique du Congo, de la sous-région. On ne fait pas partie de l'Est. Merci beaucoup. Nous sommes un parti. Ce sont des pays de l'Est qui engagent les cinq pays de l'Est. Je voudrais dire ceci. Voilà, vous ne comprenez pas les choses. Vous avez ignoré le business et la défense nationale. Merci beaucoup. Pardon la chute. S'il vous plaît. Il est parti à côté totalement. Alors, l'EAC, le pays où ils en ont, tu cites Rwanda, tu cites Burundi, tu cites l'Ouganda. Il y a un problème, c'est-à-dire insécurité qui est causée par des groupes armés. Mais dans Rwanda, aux Ouganda, même dans le couloir, je vais lui donner la matière. Tozu Ouganda, qui dit que non, il a ses rebelles ici. Les ADF et consorts. Tozu crié à longueur de journée ADF. Ceux qui Tozu, Bande Konabiso, Yanani, y a Burundi, ils vous diront ici avec Elera et consorts. Alors, madame, il faut qu'on éradique et l'Okoana une fois pour toutes. Merci. Crispla Mbuka Azapé régisseur na Congo Bus Télévision. Joyeux anniversaire à toi et de bonnes choses na année Oyasika. C'est la fin de l'émission pour na Congo Tolinga Congo To Obatela Congo Pe To Tonga Mbuka na biso mingi mingi intégrité territoriale. On se retrouve demain. Na ba invité Moussoumé toujours avec le même plaisir. Au revoir. Merci.